années, hein, qui a été marqué par des mouvements sociaux nombreux. Alors, moi, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, hein, mais loi travail en 2016, grève SNCF en 2016 et en 2018, mouvement étudiant contre Parcoursup, contre l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, bien sûr un mouvement des Gilets jaunes qui est depuis novembre dernier, et puis la grève dans les services d'urgence là qui s'amplifie, qui touche aujourd'hui près de 200 hôpitaux. Voilà, pour parler uniquement du mouvement d'envergure nationale. Alors évidemment, ça c'est le reflet d'une offensive de la bourgeoisie qui se poursuit, des réformes de l'enseignement, l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire, la casse du code du travail, les coupes dans les services publics, et ces mouvements sociaux, souvent longs, plusieurs mois, souvent parce que ceux qui y participent, même quand ils sont minoritaires, ne veulent rien lâcher, obligeant parfois les directions syndicales à faire plus que ce qu'elles avaient prévu initialement. Alors les travailleurs qui participent à ces mouvements se politisent, en témoigne par exemple le nombre de manifestants qui préfèrent défiler devant le carré de tête des directions syndicales à chaque manifestation depuis 2016. Et donc il nous semblait important de revenir sur l'intervention que nous, militants révolutionnaires, on a pu avoir au cours de toutes ces mobilisations. Et quand je parle de mobilisation, c'est bon, bien sûr de ces moments où une fraction de la classe ouvrière ou de la jeunesse se met véritablement au mouvement. Pas seulement quand des militants syndicaux peuvent répondre à des appels à manifester lancés d'en haut par les directions syndicales, pas non plus lorsqu'il s'agit de mener des campagnes politiques avec d'autres orgas politiques ou syndicales, même si j'y reviendrai un petit peu à la fin de mon intervention. Voilà, donc mon intro sera surtout axée, moi, sur notre intervention dans les mouvements sociaux qu'on a connus récemment. Alors bien sûr, dans chacune de ces luttes, la question de l'unité, elle s'est posée à chaque fois. Mais bon, si par unité, on entend l'unité de notre classe sociale, alors là, je crois qu'on est tous d'accord, hein, on veut tous l'unité la plus large possible des travailleurs dans la grève, travailleurs français, travailleurs immigrés, du public comme du privé, des privés d'emploi, des retraités, etc. Ce type d'unité, elle est indispensable pour gagner. Je dis ça parce que cette unité-là, elle est parfois bien différente de l'unité des organisations politiques ou syndicales. Et je crois que c'est là où les vrais problèmes commencent à se poser. Donc, c'est-à-dire que l'unité, oui, mais avec qui et pourquoi ? L'unité pour quelles revendications et pour quel programme ? Et avec quelle modalité de lutte, quelle politique ? Et là, tout se complique, parce que quand même, après 200 ans d'histoire du mouvement ouvrier, le terrain, il est loin d'être vierge, il a même été plutôt lourdement labouré. Alors, par des partis qui, dans leur jeune temps, pouvaient se revendiquer du socialisme ou du communisme, mais qui ont très mal vieilli et qui comptent d'ailleurs plus beaucoup de travailleurs dans leur rang. Par des syndicats, autrefois lutte de classe, mais qui sont quand même devenus des appareils bien intégrés à l'appareil d'État bourgeois et bien installés dans cette société. Et avec des directions qui se flattent désormais d'être les as de la proposition plutôt que de la contestation. Et cette évolution, elle trouve des traductions bien concrètes, en particulier dans la politique des intersyndicales. Alors l'unité syndicale, si, bon, évidemment, il est indéniable que parfois elle peut encourager à la lutte, mais quand même, c'est pas toujours le cas. Elle vise aussi parfois à faire taire les minorités combatives, à étouffer ou à paralyser des luttes dans des moments cruciaux où elles peuvent devenir menaçantes pour le pouvoir. Alors les Gilets jaunes par exemple, les émeutes sur les Champs-Élysées le 1er décembre, la République prétendument violée, le scandale, le gouvernement et les médias étaient dans tous leurs états, et quelques jours plus tard, donc le 6 décembre, les confédérations syndicales, dans l'unité la plus large, à l'exception de Solidaires quand même, ont signé un communiqué qui condamnait la violence des Gilets jaunes. Donc je cite, hein, « Le dialogue et l'écoute doivent retrouver leur place dans notre pays ». C'est pourquoi nos organisations dénoncent toute forme de violence dans l'expression des revendications. Et ça, c'était une politique, hein. L'unité syndicale, elle venait précisément au moment où la combativité des Gilets jaunes était largement applaudie dans les entreprises, voire pouvait devenir contagieuse. Et il fallait éviter ça à tout prix, à Macron et au gouvernement Philippe, le risque d'un tous ensemble. Alors bien entendu, il y a beaucoup de syndicalistes à la base qui ont été écœurés, certains ont parlé de déchirer leurs cartes, d'autres de s'organiser pour rejoindre les Gilets jaunes à l'acte suivant, le 8 décembre. Un autre exemple, hein, un peu plus ancien, mais le mouvement contre la loi travail en 2016, au plus fort du mouvement, les fédérations syndicales à la SNCF ont tout fait pour repousser le départ en grève des cheminots. Alors d'abord des journées de grève de 24 heures, parfois même en les séparant des journées de grève contre la loi travail, puis ensuite des périodes de grève de 48 heures, hein, déjà à l'époque.
Alors au total, ça a fait presque une douzaine de journées de grève sur plusieurs mois avant de partir véritablement en grève reconductible au mois de mai à l'appel de Sudrail et de Force Ouvrière et au mois de juin à l'appel de la CGT. Alors les intersyndicales, elles sont jalouses de garder le contrôle de ces luttes, là où nous, révolutionnaires, alors sans nier l'intérêt du soutien de nos structures syndicales à la base, hein, évidemment, nous militons pour que les grévistes organisent eux-mêmes et démocratiquement leur lutte, syndiqués ou non syndiqués, et il faut bien se lancer sans elles, voire contre elles. Et là, on est peut-être arrivé à la croisée des chemins là, dans la période quand même, parce que on sent que la tutelle syndicale, elle commence à peser lourd auprès des salariés en lutte, surtout parmi les jeunes. Et la méfiance a quelques bonnes raisons, quoi. Le besoin d'émancipation est là depuis quelque temps. Je crois que c'est ce qu'expriment certains hospitaliers, certains profs. C'est ce qu'ont exprimé également les Gilets jaunes. Et contrairement à bien des équipes syndicales à la base d'ailleurs, les directions syndicales ont fait le choix de rester sur le pas-côté de ce mouvement qui avait démarré sans elles. Mais bon, qu'à ça ne tienne, hein, les Gilets jaunes ont continué leur route avec un courage et une combativité qui a décidé beaucoup de militants syndicaux dans les entreprises à les rejoindre. Alors comme quoi, voilà, l'unité, elle peut se créer aussi quand les plus combatifs partent tout seuls les premiers et en entraînent d'autres. Alors, sur le mouvement des Gilets jaunes, bon, il y a eu beaucoup d'ateliers hein, dans cette université, donc je ne vais pas aborder tous les aspects de notre intervention dans ce mouvement-là, mais quelques mots quand même hein, sur nos efforts de structuration à l'intérieur de ce mouvement. Si on devait résumer ça en une phrase, disons que nous avons tenté de mettre sur place une organisation à la base pour que celles et ceux qui luttent puissent contrôler tous les aspects de leur mouvement, à la fois les modalités d'action, mais bien sûr aussi les revendications. Et la première étape pour ça, c'est la tenue d'assemblées générales régulières pour que les discussions n'aient pas lieu uniquement par boucle WhatsApp ou groupe Facebook, comme ça a pu être le cas au début du mouvement, quoi. Que les décisions soient prises démocratiquement. Et là, je crois que là où des copains du NPA ont pu intervenir dans ce mouvement, ça a quand même fait une sacrée différence par rapport à d'autres endroits. Alors hier, on a une camarade de Strasbourg qui détaillait son intervention, qui expliquait comment les Gilets jaunes de différents ronds-points d'Alsace avaient pris l'habitude de se réunir en AG tous les samedis avant de partir en manifestation. Et cette AG-là, elle a d'ailleurs été un lieu de ralliement pour bien des militants syndicaux, pour des militants écolos également, qui venaient participer aux actions ou proposer des convergences avec des manifestations syndicales ou encore avec la marche pour le climat. Alors bien sûr, se structurer en AG, bon, pour nous, c'est quand même un peu la base, hein, dans une grève, dans un mouvement. En tout cas, c'est indispensable. Je crois qu'on en a tous fait l'expérience. Mais là, je pense que c'est quand même loin d'être indispensable et qu'à chaque fois que c'est possible, il faut chercher à faire franchir une étape supplémentaire. Et bon, toujours pour reprendre l'exemple des camarades de Strasbourg, c'est ce qu'ont réussi à faire nos copains là-bas où assez rapidement, plusieurs dizaines de gilets jaunes, parmi les plus impliqués, ont pris l'habitude de se réunir toutes les semaines pour préparer les AG pendant plusieurs mois, jusqu'au début de l'été d'ailleurs. Et l'utilité donc de mettre sur pied ce genre de structure d'exécutif, en quelque sorte, c'est pas seulement de préparer les AG, c'est aussi de faire appliquer les décisions qui peuvent y être prises. Alors par exemple, lorsque l'AG a pris la décision de s'adresser aux travailleurs dans les entreprises, c'est ce cadre-là qui a permis de créer une commission d'entreprise et donc qui a permis de rédiger les tracts, d'aller à la rencontre de certains gilets jaunes dans les entreprises et de certains militants syndicaux. Et donc ce noyau dur de gilets jaunes, c'était un point d'appui pour rayonner également sur d'autres groupes de gilets jaunes de l'Est. Et d'ailleurs, dans ce mouvement, on a senti assez vite une volonté des gilets jaunes de se coordonner, peut-être pas forcément de se donner une direction, mais au moins de se coordonner et de pas rester chacun sur son rond-point. Alors une première tentative d'assemblée des assemblées a eu lieu à Commercy les 26 et 27 janvier. Voilà, malheureusement, les organisateurs avaient prévu la deuxième plus de deux mois après. Donc voilà, nos camarades ont tout fait pour essayer de lancer des coordinations, d'abord à l'échelle de l'Est de la France, qui a quand même été une petite réussite, puisqu'il y a eu 250 gilets jaunes qui étaient présents fin février, puis ensuite une tentative de coordination nationale à Paris mi-mars. Alors bien sûr, bon, ces tentatives n'ont pas permis de faire émerger une véritable direction du mouvement des Gilets jaunes à l'échelle de tout le pays. Mais je crois que c'est quand même une tâche des révolutionnaires de faire en sorte que celles et ceux qui se mobilisent puissent diriger eux-mêmes leur lutte en toute indépendance des directions syndicales. Voilà, bon, je m'arrête là-dessus sur le mouvement des Gilets jaunes. Quand même un petit mot sur
les grèves de ces dernières années à la SNCF, hein, en particulier 2016 contre la loi travail et la casse de notre réglementation, et puis 2018, cette année, l'année dernière, contre une réforme ferroviaire. Il y a quand même une chose qui est significative dans ces grèves-là, c'est qu'au moment où on a senti que la colère des cheminots était la plus grande, les directions syndicales, dans l'unité quand même, ont tout fait pour temporiser. Alors on pourra discuter un peu précisément de la position de Sudrail, qui avait parfois un pied dans l'intersyndicale, parfois un pied en dehors, etc. Bon, c'est peut-être pas le lieu de faire ça aujourd'hui, mais globalement, dans l'unité, les directions syndicales ont tout fait pour temporiser. Alors je le disais, 2016, en multipliant les journées d'action, mais même 2018, au moment où on a senti la colère des collègues, la seule annonce qu'on a eue, c'était une journée de manifestation, hein, même pas de grève, seulement un mois après. Voilà, tout ça pour ensuite annoncer un programme de grève perlée étalée sur trois mois, voilà, qui vous a posé énormément de difficultés en termes d'organisation des grévistes. Donc voilà, c'est quand même un exemple de notre intervention, je crois, qui est assez important. On a tout fait, nous, pour regrouper les minorités combatives, hein, qui voulaient se battre sans forcément attendre l'appel des directions syndicales. Et donc on les a regroupés dans des comités de mobilisation ou bureaux d'organisation de la grève, ou etc., pour tout faire en sorte, en tout cas, que la grève démarre véritablement. Voilà, alors sans revenir en détail donc sur ces grèves-là, hein, ces six dernières années, on a quand même eu en 2014, 2016, 2018, bon, tous les deux ans, on a un mouvement de grève qui correspond à des attaques, des réformes ferroviaires, etc. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est qu'on a vu une certaine progression de l'organisation des grévistes dans ces mouvements-là. Alors 2014 est peut-être un exemple un peu particulier, puisque la grève a duré seulement deux semaines, donc on n'a pas eu plus le temps que ça. Mais il y avait déjà à l'époque des tentatives de coordination qu'on avait appelées AG des AG. 2016, cette fois-ci, on a réussi à mettre sur place, encore une fois, ces AG des AG qui ont été plus régulières, qui sont tenues pendant plusieurs mois. Et puis, 2018 a été... quand même, encore une évolution de cette politique-là, où on a réussi à regrouper parfois plusieurs centaines de cheminots dans des AG intergares. Donc voilà, il y a une progression en termes d'organisation des grévistes, et je crois, là, il ne faut pas être non plus trop modeste, hein, qui est due à notre activité dans ces grèves-là, à la présence de camarades du NPA, plus d'autres militants révolutionnaires, d'autres courants. Pour terminer, je voulais juste revenir sur deux problèmes politiques qui ne sont pas à proprement parler des mobilisations, mais qui alimentent quand même beaucoup de discussions dans nos rangs et dans ceux de la gauche, qui méritent qu'on discute de l'attitude de notre organisation vis-à-vis d'autres forces politiques ou syndicales. Le premier, c'est ce qui s'est passé à l'issue des élections européennes, où on a vu les partis de gauche se présenter divisés, hein, la France insoumise faire des scores divisés par trois par rapport au présidentiel. Je dis ça parce qu'en quelque sorte, les cartes sont un peu rebattues à la gauche de la gauche. Et on voit des appels à un Big Bang de la gauche ou à un Front populaire. Hein, hier, Éric Coquerel en parlait. Et puis, même un appel à une coordination de la gauche qui lutte. Je voulais quand même en dire un mot, hein, de la part de notre porte-parole, Olivier. C'est vrai que moi, je crois que le problème, c'est qu'une telle proposition de notre part... formulé au lendemain d'une élection où bien des militants de gauche ont dû se dire que la prochaine fois, il faudra l'unité de la gauche face à Macron, face au Rassemblement national. Je crois que ça peut être vu comme une proposition d'accord en vue des prochaines échéances électorales, municipales et présidentielles. On a beau se démarquer le plus fermement possible de tout calcul électoral, hein, comme Olivier le fait à chacune de ses interventions, en rappelant qu'il faut partir des luttes, des mobilisations pour reconstruire. Je crois que ça ne change pas grand-chose en réalité dans la tête de ceux à qui on peut faire ce genre de proposition. Alors bien sûr, dans des situations, les militants révolutionnaires doivent être capables de faire des propositions d'action, hein, je termine juste là-dessus, à des appareils réformistes qui peuvent être des alliés temporaires, mais en réalité, ce genre de proposition s'adresse surtout aux travailleurs qui peuvent être influencés par ces appareils. À chaque fois, en tout cas, ça ne doit pas se faire au détriment de notre indépendance politique. Et avec cette coordination de la gauche qui lutte, qui serait donc une sorte de structure pérenne avec des collectifs à la base, comment faire pour lutter contre ces partis ou ces syndicats qui vont nous défendre très prochainement les prochaines journées de mobilisation interpro saute mouton, comme on a connu ces dernières années, la prochaine grève perlée à la SNCF ou encore l'impasse institutionnelle du référendum pour lutter contre telle ou telle privatisation. Je vais m'arrêter là, mais c'est quand même une question très concrète
qu'il va falloir se poser pour la suite, pour préparer la rentrée, évidemment, contre la réforme des retraites et toutes les attaques qui vont arriver. La parole donc à Arthur. Bon, je vais essayer de répondre un peu à Benoît, même si pour introduire, je voudrais commencer un peu par voir où on en est, voir où on arrive avec cette rentrée. Parce que la rentrée qui s'annonce, c'est une rentrée qui annonce la reprise des attaques de Macron. Et je pense qu'il faut voir que depuis, avec la réforme des retraites, il y a l'urgence d'une contre-attaque massive de toute notre classe. Il faut voir que depuis la loi travail jusqu'au mouvement des gilets jaunes qu'on a été, on va dire, une accélération, on ne peut s'empêcher de voir qu'il y a en France une accélération du fait d'un retour de la lutte des classes, un retour de la combativité ouvrière et populaire qui s'est exprimée que ce soit dans la loi travail, dans la lutte contre la sélection à l'université, dans la lutte des cheminots et enfin avec la lutte des gilets jaunes dont on a beaucoup parlé à cette université d'été. Cependant, ce qui prime, c'est les journées d'action isolées, c'est des batailles sectorielles séparées entre l'énergie, entre la santé, entre le rail, séparées les unes des autres. Et cette rentrée, elle en est une démonstration éloquente. On a des dates dans l'énergie, dans la santé, dans le ferroviaire. À côté de ça, on a même deux dates pour les retraites, une lancée par Force ouvrière et une lancée par la CGT, sans parler même des mobilisations pour le climat. Et cette division entre les dates, entre les secteurs, elle est à mon sens un des principaux obstacles à dépasser pour pouvoir faire face à Macron et stopper son offensive. Et c'est à mon sens le sujet de ce débat-là. Dans ce contexte, je pense qu'il existe malgré tout dans notre classe une aspiration à l'unité et à la convergence entre les secteurs qui est une aspiration tout à fait légitime. On voit plus que jamais qu'il y a besoin d'une vaste riposte à Macron. On voit qu'il y a besoin de frapper tous ensemble sur le même clou. Avoir un plan de bataille unique, avoir un calendrier commun entre tous les syndicats pour pouvoir vraiment faire reculer le bulldozer Macron. La contradiction, c'est que ceux qui seraient le plus à même en fait de mettre en place un tel plan de bataille, d'être suivi par la majorité de notre classe, c'est-à-dire les directions syndicales, Martinez, la direction de Force ouvrière ou de la CFDT, sont justement celles et ceux qui sont les principaux acteurs de cette division. Et je pense que ça peut que nous interroger sur le rôle véritable des Martinez et des autres directions syndicales. On l'a vu lors de la bataille du rail, comment en divisant les dates, comment en divisant les secteurs, comment en faisant des calendriers pourris avec le 2-5 dont Benoît a parlé, tout en continuant la politique de négociation et de concertation avec le gouvernement, comment ces directions ont mené en réalité dans le mur toutes les dernières grandes contestations ouvrières. Et au-delà de proposer en fait des plans de bataille qui ne sont pas à même de gagner, je pense que leur rôle durant la crise des Gilets jaunes est à dévoiler encore un peu plus leur nature. Benoît en parlait, le 6 décembre, tous les syndicats hormis Solidaires ont signé un communiqué qui condamnait en fait les violences des Gilets jaunes après le 1er décembre. Comprimer toutes les convergences qui pouvaient être un petit peu à l'œuvre entre les syndicats et les gilets jaunes et qu'on dit voilà, nous ne serons pas de ce combat-là étant donné qu'on ne marche pas avec n'importe qui, sous-entendu que tous les gilets jaunes étaient d'extrême droite, ce que je pense que l'histoire a réfuté, même si évidemment je ne dis pas qu'il y a une certaine hétérogénéité, y compris politique, dans le mouvement des gilets jaunes. Et alors qu'on assistait du coup au mouvement social le plus important depuis mai 68, les syndicats se sont rangés du côté de l'ordre, se sont rangés du côté de la 5e République plutôt que soutenir le mouvement. Et je pense que ça a encore une fois montré leur véritable nature. Pour continuer là-dessus, je pense qu'on doit sérieusement discuter de quel est le rôle profond de ces directions syndicales. Hier, il y avait un topo qui a été animé par notre camarade Julien Salling sur la dérive autoritaire des régimes capitalistes. Et il expliquait à raison que dans le macronisme, il y a une remise en cause de toutes les médiations traditionnelles qui faisaient le système de domination du capitalisme français, y compris dans ces médiations traditionnelles, les syndicats. Des syndicats qui sont dans ce qu'appelle Gramsci, en fait, des outils qui permettent de créer du consensus plutôt que de créer forcément une politique de coercition. Mais dire cela, dire que les syndicats sont des outils de médiation de la bourgeoisie, ça veut évidemment dire que ce sont des outils de domination des classes possédantes et donc du maintien de l'ordre.
Et je pense que voir les choses sous cet angle, voir les syndicats et leur, enfin surtout leur direction syndicale comme des médiations en fait du pouvoir bourgeois, ça nous implique, ça nous amène à la nécessité de balayer une fois pour toutes les conceptions selon lesquelles la politique des directions syndicales en fait reflèterait la conscience moyenne de notre classe. Non, au contraire, comme le disait Gramsci, c'est seulement un relais dans la classe ouvrière des intérêts des classes dominantes, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit être basé. Leur politique dans le mouvement des Gilets jaunes en a été du coup une parfaite incarnation. Les directions syndicales ont été un agent, comme d'habitude, de la bourgeoisie dans notre classe pour contenir les élans, pour les faire rentrer dans l'ordre. Et je pense qu'aujourd'hui, elles ont un rôle d'autant plus central dans l'ordre républicain qu'à une heure où un certain nombre des médiations traditionnelles se sont écroulées, c'est-à-dire la croyance dans les partis politiques, dans le rôle des médias, dans l'illusion démocratique envers la Ve République, ou encore l'illusion sur le rôle des forces de l'ordre, à un moment donné où un certain nombre de ces illusions s'écroulent, je pense que le rôle de la police aujourd'hui en France est de plus en plus vu pour ce qu'il est par une large partie de la population. Au moment où tout ça s'écroule, le dernier rempart pour le macronisme, le dernier rempart pour les classes dirigeantes, ce sont ces directions syndicales, ce sont ces syndicats qui permettent encore de contenir les élans de la classe ouvrière, de les maintenir en fait dans le rang. Du coup, on arrive à un paradoxe en fait. C'est qu'on devrait, on a besoin plus jamais que notre classe elle frappe ensemble. Et on a besoin du coup de construire une unité avec ceux qui sont les ennemis de cette même unité, qui sont les ennemis de toute perspective d'émancipation pour notre classe. Et je pense que c'est là où surgit la nécessité pour les révolutionnaires de proposer des politiques qui soient audacieuses, qui soient capables à la fois d'unifier la classe à un moment précis, d'élargir l'influence des révolutionnaires de façon à faire gagner à notre programme et nos perspectives celles et ceux qui aujourd'hui continuent à donner leur confiance dans ces directions réformistes et bureaucratiques. Proposer un combat unitaire sur des revendications précises a donc pour but, de notre point de vue, de pousser les bureaucraties à aller au-delà de ce qu'elles souhaitent faire et à dévoiler concrètement leur nature co-gestionnaire, parfois activement, une nature co-gestionnaire qui peut être active, qui peut être passive, mais qui atteste en tout cas que si elles refusent de se joindre au combat ou de le mener jusqu'au bout, voilà quel est l'objectif d'une telle politique de front unique, de faire l'expérience aux exploités, aux opprimés, que ces bureaucraties en fait, influencent tous les jours, que ces dernières ne cherchent pas à défendre leurs intérêts. Je pense que c'est là la question centrale, montrer à tous les syndicats, à toutes celles qui aujourd'hui peuvent suivre Martinez, peuvent suivre Force Ouvrière ou la CFDT, que ces directions sont un facteur majeur, voire principal, de leur division dans les luttes, et donc de leur faiblesse dans leur combat, de leur faiblesse face à la bourgeoisie. Je pense qu'il faut voir que dans le front unique, la question centrale pour les révolutionnaires, c'est la question de la lutte politique contre les directions réformistes, et que ça, c'est l'aspect le plus important, c'est ce qu'on pourrait appeler l'aspect stratégique du front unique. Pour nous, la stratégie, elle correspond à un ensemble de politiques qui permettent, en dernière instance, qui doivent permettre à la classe ouvrière de prendre le pouvoir. Et évidemment, on voit que si la classe ouvrière elle est majoritairement influencée par les directions réformistes, on voit que cette prise du pouvoir, on voit que ce renversement du capitalisme, il est impossible. C'est pour ça que la lutte politique pour défaire l'influence de ces directions syndicales, c'est bien l'aspect stratégique du front unique, c'est bien l'aspect stratégique de cette tactique. Et du coup, on vient à quelle est la condition vitale pour les révolutionnaires pour pouvoir mener à bien une telle politique. C'est évidemment que, sous aucun prétexte, on ne noie dans l'action notre programme et nos revendications, notre programme pour la révolution, qu'on ne s'auto-censure pas à ce qu'on propose à la classe. Et qu'on soit prêt, par ailleurs, dès que les bureaucraties trahissent ou reculent, à rompre les accords qu'on a pu passer avec eux, accords qui étaient par définition temporaires et circonstanciels. Et il faut rompre cette unité dès que celle-ci, elle commence à se faire au détriment de l'élévation de la conscience de classe ou au détriment de l'accumulation de force à long terme. Donc le Front unique ouvrier a pour but évidemment d'amplifier, d'unifier les rangs de la classe, mais pas sur n'importe quelle base. Et ça, je pense que c'est important, et la pertinence en fait de cette tactique, elle cesse dès que cette unité se fait en fait au détriment
Elle se fait essentiellement sur des bases réformistes, car dès lors, c'est la dimension stratégique dont je parlais avant, c'est-à-dire la dimension de lutte politique contre les directions syndicales, qui est mise au placard. Donc, voilà un peu pour avoir posé un peu plus les bases, à mon avis, théoriques de ce que devrait être une politique de front unique. Mais la question, du coup, c'est de voir un peu, au-delà de ceci étant posé, voir ce qui est proposé aujourd'hui dans le NPA. Parce qu'on voit qu'il y a clairement une différence entre cette politique, cette proposition, qui est la tactique du front unique, et la logique du front social et politique, qui est très souvent développée dans la majorité de notre parti. Et dans ces fronts sociaux et politiques, la logique, elle a toujours été de savoir quel était le plus petit dénominateur commun avec les autres directions du mouvement ouvrier. Et d'en faire de ce plus petit dénominateur commun la base programmatique d'un front commun. Le problème, c'est que le FU, il ne peut être qu'un front épisodique avec des objectifs précis, des objectifs en fait dans la lutte. Il ne peut pas être sur des grandes logiques politiques générales, parce que notre logique politique générale, elle est par essence différente de la logique politique des réformistes, et que à partir du moment où, vu le rapport de force entre les appareils réformistes et les appareils révolutionnaires, un tel accord sur un programme général ne pourrait se faire qu'au détriment d'une autre. Et un bon exemple de cette politique, en fait, de front social et politique, c'est celle qui a été impulsée par le cadre commun avec la France insoumise, la FSU, Solidaire et d'autres, contre les mesures autoritaires du gouvernement qui a été signée le 22 mars par le NPA. Et ce communiqué et ce cadre, plutôt que proposer, en fait, un front ponctuel dans l'action autour d'objectifs précis, en fait, a entamé ce qu'on pourrait appeler un front permanent où on a signé un texte qui contredit ouvertement notre programme, qui contredit ouvertement en fait ce qui fait la base des fondements du NPA. Par exemple, ce qu'on a signé, anticapitaliste que nous sommes, c'est qu'un état de droit, une démocratie, la République ne saurait accepter que l'armée se retrouve face au peuple comme s'il était un ennemi, comme si la guerre civile était déclarée. Et évidemment que nous, c'est totalement contraire à ce qu'on défend vis-à-vis de ce qu'est la démocratie bourgeoise, vis-à-vis de ce qu'est la Ve République, vis-à-vis de ce qu'est la Révolution. Et aussi légitime que soit le combat contre la répression et les mesures liberticides du gouvernement, la logique qui conduit en fait à renoncer nos positions politiques au nom de l'unité, elle est inverse à la logique de front unique, car au lieu de permettre une expérience d'un secteur des masses, elle renforce les illusions qu'on cherche justement à combattre. Donc, s'il faut développer à tout prix l'unité, il faut évidemment le faire autour d'objectifs qui permettent de développer la lutte. On l'a vu dans la bataille des cheminots, l'unité de tous les syndicats, sous la direction de la CGT, a été l'instrument de la défaite d'un des secteurs les plus concentrés et les plus combatifs de la classe ouvrière en France, dans un contexte où l'intersyndicale n'énonçait même pas clairement le fait d'être pour le retrait de la réforme ferroviaire, et où l'unité, elle, se faisait autour d'une stratégie perdante consistant en fait à dilapider la capacité de frappe des cheminots au travers de la grève perlée, la grève de 5 dont a parlé Benoît. Dans ce contexte, je pense que l'interpellation des directions syndicales était alors centrale. Parce que pour forcer à ce que la CGT elle clarifie ses positions, qui étaient ambiguës notamment sur le retrait de la réforme, et dont le plan de bataille était ouvertement destiné à favoriser les négociations, il fallait du coup faire cette interpellation. Il s'agissait nullement, comme pouvaient le dire certains camarades de lutte ouvrière dans les assemblées générales, de demander du lait à un bouc. Il s'agissait de montrer, à partir du refus, il s'agissait de montrer le contraste entre ce qu'étaient les aspirations légitimes des travailleurs et le refus des directions de changer leur politique, et de du coup faire une expérience politique à ces secteurs de grévistes pour commencer à les détacher de la direction de la CGT pour pouvoir aller vers un plan offensif, aller vers plus une grève reconductible, aller vers plus d'auto-organisation, etc. C'est une expérience qui était nécessaire, comme en témoignent les difficultés que beaucoup de cheminots dans notre parti, les plus déterminés, ont eu les difficultés qu'ils ont eues à entraîner leurs collègues derrière eux. Et en dernière instance, je pense que, notamment vis-à-vis de lutte ouvrière, la non-interpellation des directions syndicales était aussi un moyen de refuser la lutte politique contre la direction de la CGT. Alors évidemment, et je finirai là-dessus, ces discussions, elles sont pas nouvelles sur le front unique, mais la situation ouverte par le mouvement des Gilets jaunes, elle les pose, je pense, avec une nouvelle actualité. Car aujourd'hui, qui peut dire
que la politique qu'a menée Martinez ces 9 derniers mois, en fait, c'est le reflet de la conscience de classe moyenne. Dans ce contexte, est-ce qu'on n'aurait pas dû être beaucoup plus décomplexé dans la critique de ces directions syndicales, notamment après le 6 décembre, après cette politique qu'elles ont eue, qui était de dénoncer les gilets jaunes? Moi, je pense que oui, mais c'est surtout ces débats qui doivent nous permettre de préparer l'avenir. Et dans cette situation dans le parti, Benoît a commencé à en parler, et je pense que c'est aussi le débat, il y a deux politiques de front unique qui sont aujourd'hui proposées, celle d'une coordination permanente de la gauche qui lutte, qui ne se fonde pas en fait sur la volonté de développer un mouvement de masse autour d'objectifs précis, mais une coordination permanente avec les mêmes réformistes qui mènent dans le mur en fait les luttes sociales. L'autre proposition, et je pense que c'est celle qu'on doit faire, c'est celle d'un front unique sur la question de la réforme des retraites. Aujourd'hui, il faudra avancer dans le parti pour que tous ces outils, tous nos porte-paroles, toute notre presse, toutes nos positions dans les syndicats soient utilisés pour faire avancer l'idée qu'il faudrait aujourd'hui un front unique entre toutes les directions du mouvement ouvrier, entre tous les appareils du mouvement ouvrier, qu'ils soient des partis, des syndicats, autour d'un objectif précis. Dire oui, nous sommes pour le retrait sans négociation de la réforme des retraites, autour d'une retraite à 60 ans, contre la retraite par points, et imposer cela, faire une grande campagne en fait d'agitation pour le front unique, et qui permette aussi de mettre la CGT, de mettre Force ouvrière, de mettre tous les appareils réformistes face à leurs responsabilités. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on pourra seulement frapper ensemble, et évidemment seulement autour des objectifs précis qui seraient aujourd'hui la réforme des retraites, et je m'arrêterai là-dessus. Pour débarrer d'abord sur la période dans laquelle on vit, je pense que les camarades précédemment ont pointé des éléments que je vais repointer pour pas qu'on puisse me dire que je l'ai pas fait, sur le bilan des mobilisations et les difficultés auxquelles elles font face, notamment en termes de stratégie dans les luttes. Et je crois qu'on est tous confrontés en réalité concrètement à ces problèmes. Que ce soit effectivement la succession des journées d'action, de grève sans lendemain, et y compris quand c'est 2 jours sur 5 comme à la SNCF, on voit bien que c'est des orientations qui permettent pas de gagner. Mais il y a d'autres luttes qui ont eu lieu par ailleurs qui n'ont pas permis de victoire, que ça soit l'orientation menée par les autonomes. On l'avait vu pendant notamment la loi travail, ça avait eu, disons, une certaine audience, et on voit bien que cette orientation-là, elle ne permet pas de faire gagner non plus notre camp social, ou que ce soit ce qui a été fait au niveau des gilets jaunes, où on voit bien que, disons, la succession de manifestations le samedi ne permet pas plus de gagner parce que ça ne bloque pas le pays, l'économie, et ça crée pas un rapport de force suffisant par rapport contre la bourgeoisie, ou que ce soit toute une série de luttes autour des fermetures d'usines en particulier, où il n'y a pas eu, de construction de ces mobilisations en mobilisation de masse qui soit capable d'empêcher les fermetures d'usines, avec pourtant des tactiques diverses, que ce soit celle des appareils réformistes, celle de nos camarades à Ford, ou celle de Hello dans les endroits où ces camarades ont aussi de l'influence. Et quelque part, si on veut regarder ce qui sont les luttes qui ont gagné, en général, c'est des luttes plutôt sectorielles ou locales, sur les salaires. Alors il y avait l'exemple d'Air France en particulier, ou que ce soit dans des toutes petites structures, ou par une grève relativement courte, 5-10 jours, mais extrêmement majoritaire, souvent c'est 100% de grévistes ou 90% de grévistes, on obtient une victoire. Donc c'est dans cette situation-là, sur le plan des luttes et des rapports de force concrets entre les classes qu'on se situe, même si sur la période il y a d'autres éléments sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Donc, effectivement, Arthur le disait tout à l'heure, a été exprimée une orientation dans cette période, et notamment suite aux élections européennes, qui était l'idée de proposer une coordination de la gauche qui lutte pour répondre aux attaques du gouvernement et de la classe dominante. Alors, pour donner un élément négatif, on va dire, par rapport à cette formule, c'est une formule qui, en soi, n'est pas bonne. Parce que le terme de gauche, ah oui, j'avais une citation là-dessus, c'est
François Sabadeau qui rappelait quand même, alors je ne sais pas si je voulais faire une extenso du coup, comme on dit, mais en gros que la gauche, il faut se rappeler que historiquement, c'est la construction d'un compromis entre le mouvement ouvrier et la bourgeoisie démocratique, etc. Et que ça a eu toujours eu, disons, cette dimension à la fois de défense des institutions démocratiques, une défense des institutions démocratiques dans leur double nature, à la fois qui était un progrès par rapport à la réaction, par rapport au féodalisme, etc., mais y compris bon, voilà, dans le cadre du système capitaliste. Donc ce terme de gauche, il a effectivement cette ambiguïté-là, mais je crois que la question des termes, il faut faire toujours un peu attention, parce que le problème, il y a ce qu'ils veulent dire pour nous, il y a ce qu'ils veulent dire pour la majorité des salariés, et c'est un peu autre chose. Et donc je crois que si nous on avait une formule, on dirait on est pour l'unité du prolétariat de ces organisations. Mais n'importe quelle personne qui milite sérieusement, c'est que si tu vas dire ça autour de toi, personne ne comprendra ce que tu veux dire. Donc il faut aussi avoir parfois des formules qui, malgré leurs imperfections, leurs dangers, leurs limites, peuvent être des formules populaires pour répondre à des problèmes dans une situation. Et fondamentalement, cette formule et la question du front unique, c'est une réponse à l'hétérogénéité de la classe. Alors les camarades ont rappelé, ils ont raison, qu'effectivement, on ne peut discuter de l'unité que si on a déjà eu un préalable qui est la séparation. Oui, on est dans une organisation révolutionnaire, séparée des réformistes, parce qu'on sait que ceux-ci vont trahir les mobilisations ou qui vont les faire rester dans un giron institutionnel. Bon, une fois qu'on a mis ça de côté, parce que c'est pas l'objet du débat, la question c'est de savoir comment est-ce que on se bat pour la révolution et comment est-ce qu'on répond à l'hétérogénéité de la classe, parce que c'est pas simplement les révolutionnaires qui font la révolution, mais c'est les masses, au moins une majorité du prolétariat qui est capable d'entraîner autour de lui des couches intermédiaires. Et c'est pour ça qu'il y a deux dimensions au front unique. Alors les camarades, je suis pas d'accord avec la façon dont ils l'ont formulé, mais en tous les cas, disons abstraitement, on est d'accord. Il y a deux dimensions au front unique. Il y en a une première, c'est la dimension stratégique, et l'autre, c'est la dimension tactique. Et la dimension stratégique, c'est d'unifier la classe pour aller au combat, je le disais tout à l'heure, dans une classe qui a toujours été extrêmement hétérogène et qui l'est particulièrement aujourd'hui et qui a été finalement relativement homogène que sous le règne du stalinisme, donc qui n'est pas une période qu'on a particulièrement à regretter, mais on voit aujourd'hui que, disons, cette hétérogénéité, elle se place sur plusieurs plans. Il y a ceux qui sont organisés, ceux qui ne sont pas organisés, et y compris dans la mobilisation des Gilets jaunes, on sait que c'est un élément décisif, que ce sont en gros la partie des masses qui ne sont pas encadrées pour le meilleur et pour le pire par les organisations syndicales qui se sont mobilisées. Il y a ceux qui sont radicaux, qui ont, disons, moins de liens avec le capitalisme, et ceux qui ont encore énormément d'illusions. Il y a la question de l'atomisation sociale, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan géographique. En gros, l'atomisation qui fait que la conscience de classe est relativement restreinte et que quand on discute autour de nous, y compris avec des salariés dont nous, on n'aurait aucun questionnement pour savoir s'ils font partie de la classe ouvrière, eux-mêmes ne se vivent pas comme tels. Et on sait, alors j'ai pas les chiffres sous la main, mais que c'est une part très importante du prolétariat qui ne se considère pas comme faisant partie de la classe ouvrière ou de la classe des travailleurs. Et tout ça sans parler des différences politiques qui existent aussi, parce que malgré le recul des organisations du mouvement ouvrier, il y a quand même des opinions, il y a, on le voit quand on lutte, des gens qui pensent, qui sont fidèles à telle organisation, que ça soit la FI, que ça soit encore des lambeaux du PS, que ça soit d'autres courants, y compris des anarchistes organisés ou non organisés. Donc le Front Unique, c'est une réponse à cette hétérogénéité pour essayer d'unifier la classe pour aller au combat. Et ensuite, il y a la dimension tactique, qui est de prouver grosso modo qu'on est les meilleurs, c'est pas toujours facile, prouver que les directions bureaucratiques du mouvement ouvrier ne veulent pas mener la lutte, et ça a été développé par les camarades précédemment. Tout ça, sachant que la politique par l'exemple, grosso modo, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les masses, c'est par leur propre expérience, majoritairement, qu'elles avancent sur la tactique, sur l'utilité de tel ou tel mot d'ordre, sur l'utilité de telle ou tactique de lutte. Et je crois qu'on a pu le voir, notamment dans le mouvement des Gilets jaunes, où par exemple la question de la grève s'est posée au bout de plusieurs mois de mobilisation, où des secteurs se sont rendus compte qu'effectivement, sans bloquer le pays, tu ne pouvais pas arriver à gagner contre le gouvernement Macron. Et c'est qu'un exemple, parce que ça soit sur les mots d'ordre ou sur l'auto-organisation, on a exactement le même type de phénomène, où l'auto-organisation, c'est un phénomène qui est essentiellement pratique, j'y reviendrai, mais où on se dit pas, on va s'organiser parce que c'est plus démocratique, mais parce que ça remplit des tâches concrètes
pour la lutte. Alors, pour essayer de rentrer un peu dans le cœur du problème sur quelle orientation avoir, je crois que les camarades ont raison de souligner des dangers qui existent dans une politique de front unique. Parce qu'ils peuvent effectivement être, disons, des questions qui pèsent sur nous et qui nous envoient dans la mauvaise direction. J'en listerai trois. La première, c'est se restreindre sur le plan de l'orientation. Que ça soit justement, il y avait la phrase que disait Arthur. Bon, le problème d'Arthur, c'est qu'il prend une phrase dans un communiqué que personne n'a lu, pour donner un exemple de la trahison de comment t'as dit, du fait qu'on aurait renoncé à notre politique. Bon, c'est pas très raisonnable de discuter comme ça. C'est-à-dire que comme si le NPA avait renoncé, parce que c'est la phrase qu'il a dit, à combattre l'État bourgeois. Donc ça n'a aucun sens. Mais par contre, ce qu'il dit est réel, c'est-à-dire qu'il y a un danger de restreindre les revendications qu'on mettrait en avant. Il y a un danger aussi à restreindre les méthodes de lutte. Mais disons que ce danger-là, en réalité, il est inhérent au fait de se lier à des niveaux de conscience qui sont variés. Et c'est quelque chose qu'on fait tous. C'est-à-dire que quand on essaie d'avoir une lutte dans notre secteur, on sait qu'elle ne part pas sur notre programme. Elle part sur des objectifs concrets, d'ailleurs on l'a dit, sur la question des retraites, par exemple, et elle part avec aussi des illusions, elle part avec les objectifs limités que se fixent les gens qui sont autour de nous. Donc c'est pas quelque chose qui est évitable, donc c'est quelque chose auquel il faut se confronter et auquel il faut essayer justement de garder une ligne qui permet d'avancer dans le bon sens. Deuxième grand danger, c'est ce qui était dit sur le fait que la gauche aujourd'hui serait beaucoup plus intégrée au capitalisme et aux institutions qu'au début du siècle dernier. Bon, ça n'a pas trop de sens non plus, parce que si on regarde la social-démocratie dans l'entre-deux-guerres, qui avait tiré sur assassiné Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, ou qui soutenait la colonisation en Algérie, la gauche d'aujourd'hui, c'est pas spécialement plus grave que cette gauche-là, donc c'est pas un argument qui est opérant. Et le troisième, c'est que les réformistes seraient, j'ai lu ça quelque part, définitivement disqualifiés. Et là, je vous fais une petite citation, parce que je trouve qu'elle est intéressante. C'est un truc de Trotsky dans le programme de transition, en toute simplicité. La contradiction, le réformisme est la cristallisation organisationnelle de la contradiction entre la maturité des conditions objectives de la révolution et la non-maturité du prolétariat et de son avant-garde, c'est-à-dire le désarroi et le découragement de la vieille génération ou le manque d'expérience de la jeune. Ce qui veut dire par là, c'est que le réformisme, c'est quelque chose qui se reconstitue aussi sur la base des échecs, des difficultés, des illusions, et que c'est pas parce que des organisations sont discréditées à un moment donné qu'elles le seront pour toujours. Et ces illusions, en fait, ont disparu. Et donc, il faut faire attention à ça aussi, c'est-à-dire que le fait de s'adresser à différents niveaux de conscience, et y compris aux organisations ou aux lambeaux d'organisations qui les cristallisent, c'est quelque chose d'important pour avancer sur l'unité de notre classe et une capacité à la mettre en action. Alors, quelle orientation concrète pour les minutes qui me restent ? La première, c'est qu'effectivement, je crois qu'on ne peut plus esquiver la question d'une unité qui soit à la fois sur des questions sociales et sur des questions politiques. Ça, c'est en relation avec la période dans laquelle on est. C'est-à-dire que si on regarde sincèrement autour de nous, la mobilisation des Gilets jaunes est une mobilisation politique, même si elle part sur un aspect concret qui est la question du pouvoir d'achat, du prix de l'essence, des mobilisations de masse comme on voit en Algérie, comme on a vu en Espagne, comme on a vu en Grèce. C'est des mobilisations qui partent à chaque fois sur une question concrète, mais qui en réalité sont des questions politiques parce que la période veut ça. C'est-à-dire qu'on est dans une période où les contradictions du capitalisme font que on a des confrontations qui sont beaucoup plus rapides entre, ceux d'en haut et qui perdent en légitimité, et ceux d'en bas où leurs revendications font face assez directement au fonctionnement global du système. Alors, ça ne veut pas dire nier du tout les revendications concrètes, et je crois que, notamment au niveau local, et puis au niveau, comme le disait Arthur, par exemple, la question des retraites, il y a besoin d'action et d'unité d'action sur des questions spécifiques, mais en ayant quand même à l'esprit qu'on est en train de changer de période et que probablement c'est quelque chose qui va se renforcer
et non pas se réduire. Donc concrètement, d'accord avec Arthur, comme quoi on peut donner l'impression qu'on est d'accord sur rien, et puis en fait finalement c'est qu'on doit pas être si en désaccord que ça, si on est d'accord sur les aspects concrets, c'est que la question centrale de la rentrée, c'est la question des retraites, et sur cette question-là, qu'il faut effectivement se battre pour une unité d'action la plus large du mouvement ouvrier et de ses organisations. Mais j'ajouterais un élément, c'est qu'il faut plus jamais hésiter à s'investir dans des mobilisations politiques comme celle des Gilets jaunes, parce que, quitte à se retirer si on voit qu'on a fait une erreur, parce que le fait d'avoir perdu du temps, d'avoir mis du temps à comprendre que cette mobilisation était une mobilisation de notre camp social, c'est un point qui nous a, disons, restreint dans la capacité à jouer un rôle en termes d'auto-organisation, en termes d'initiative, en termes de légitimité dans ce mouvement. Et on avait pourtant l'exemple de la mobilisation des Bonnets Rouges qui aurait dû nous prévenir de ne pas perdre de temps et de bien s'investir dans ce type de mobilisation. Le deuxième point, c'est la question de la constance. Et c'est pas exactement... Bon, Arthur dit vous voulez un front permanent. C'est pas vraiment ça. Pas un front permanent, mais ça n'a aucun sens. Tu te bases sur des trucs sur lesquels t'es d'accord. Tu vas pas te battre avec des gens avec lesquels t'es pas d'accord. Mais par contre, il y a un truc, effectivement, c'est la question de la constance. Et je pense que c'est juste, en réalité, pour les raisons que je donnais tout à l'heure sur la portée stratégique de l'unité pour unifier notre camp social, mais aussi parce que les démonstrations prennent du temps et nécessite plusieurs expériences. Alors j'avais une citation qui était... Voilà, je ne sais pas si je vais la retrouver. Ah voilà. Donc ça doit être Trotsky aussi, hein, parce que... Voilà. Donc, hein. La politique du front unique, pourtant, ne comprend pas en soi de garantie pour une unité de fait dans toutes les actions. Au contraire, dans nombre de cas, dans la plupart peut-être, l'accord des différentes organisations ne s'accomplira qu'à moitié ou ne s'accomplira pas du tout. Mais il est nécessaire que les masses en lutte puissent toujours se convaincre que l'unité d'action a échoué, non pas à cause de notre intransigeance formelle, mais à cause de l'absence d'une véritable volonté de lutte chez les réformistes. Et on sait qu'on gagne en légitimité quand, pendant des mois et des mois, on se bat pour qu'il y ait effectivement une unité de notre camp social et de ses organisations pour avancer. Et le dernier point, je vais être obligé d'aller un peu à la serpe, c'est ce que disait... les camarades, sur ne pas renoncer à notre politique, et il n'y a pas de désaccord là-dessus, mais je crois qu'il faut aussi un petit peu le définir, sinon c'est un peu abstrait. Fondamentalement, je pense qu'il y a une question centrale, c'est la question de la grève, parce que c'est une question décisive pour la prise de conscience, et on l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de grève, s'il n'y a pas de mouvement quotidien, et si on ne s'extrait pas du travail, en réalité, la conscience, elle évolue beaucoup moins vite, et y compris l'auto-organisation ne se réalise pratiquement pas, et même dans les grèves, des fois, c'est compliqué, parce que c'est la grève qui te sort de la pression de la société capitaliste et qui te permet réaliser l'indépendance de classe de façon concrète et précise. Donc je faisais le lien deuxièmement avec l'auto-organisation. Benoît en a parlé, pas des accords sur les coordinations qui ont été faites sur les Gilets jaunes, sur les AG, etc. En ayant quand même un petit bémol, c'est de se poser la question toujours si les cadres qu'on met en place sont des vrais cadres d'auto-organisation, c'est-à-dire qu'ils sont en relation avec la conscience des masses et si les masses se les approprient, ou si c'est juste des trucs, des cadres autour de nous et qui ne sont pas en réalité en capacité de faire progresser la conscience. Parce que pour conclure, fondamentalement, la question du front unique, c'est ça. C'est de se dire, nous, on veut la révolution socialiste, nous, on veut la prise de pouvoir, nous, on veut prendre le palais d'hiver. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas le faire tout seul. Donc ça veut dire qu'il faut que les masses, à partir de là où elles en sont, c'est-à-dire quand même une désillusion et un ancrage dans la société capitaliste, on arrive à faire progresser la conscience et à donner envie. C'était la phrase sur donner aux masses le désir de s'armer, donner l'envie et la force de s'affronter au capitalisme et à la bourgeoisie, et y compris à sa police et à son...